Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour votre journal Météo-Climat. On va parler de cette dépression très creuse qui va nous concerner à partir de demain matin et jusqu'à lundi matin sur le pays. Elle va traverser de la Bretagne en direction de l'Alsace. Elle va nous apporter beaucoup de pluie également et c'est au sud de cette dépression que l'on va retrouver de très fortes rafales de vent. Mais pour l'heure, des averses encore sur le pays ce matin, notamment dans l'Est, un peu plus fréquentes. Quelques flocons également sur les différents reliefs et cet après-midi, on va retrouver cette zone un peu plus perturbée dans tout l'Est du pays, avec des averses nombreuses. À l'arrière, quelques belles éclaircies de la Normandie en descendant jusqu'au Massif central et déjà l'arrivée de cette perturbation de très faible activité dans un premier temps sur la Bretagne, avec de la grisaille et des pluies faibles et le vent qui va souffler jusqu'à 70 km/h. Des températures qui restent au-dessus des moyennes de saison cet après-midi, avec 15 degrés à Paris, on aura 14 degrés à Strasbourg et jusqu'à 20 degrés autour de la Méditerranée. Ce soir, nous allons retrouver de fortes rafales de vent déjà dans un premier temps sur le Finistère, avec des rafales jusqu'à 80 km/h, des puis un peu plus soutenu avec l'arrivée de ce nouveau front, de la grisaille de la Normandie en descendant vers la Nouvelle-Aquitaine. Et cette dépression va donc traverser très rapidement le pays. Donc en matinée, nous allons retrouver des rafales qui vont se renforcer jusqu'à 90 km/h en direction de la Bretagne. Des pluies soutenues vers l'est du pays avec de fortes chutes de neige également attendues sur les différents reliefs. Beaucoup de grisailles sur le pays. Et dans l'après-midi, attention également à ces averses orageuses, notamment du bassin rennais en descendant vers la Nouvelle-Aquitaine. Le vent va se renforcer près des côtes jusqu'à 100 km/h, 80 à l'intérieur des terres. Et autour de la Méditerranée, on aura dans un premier temps 110 km/h. Mais au cours de la nuit de dimanche à lundi, eh bien ce vent va encore plus se renforcer. Les températures en matinée continuent de baisser avec 6 degrés à Grenoble, jusqu'à 12 degrés à Nice, en passant par 7 degrés du côté de Lille. Et dans l'après-midi, des valeurs de saison avec 13 degrés dans la capitale ou encore à Strasbourg. On aura 14 degrés à Bordeaux et jusqu'à 20 degrés du côté de Nice. Pour la suite, donc les températures vont chuter pour lundi. On passera en dessous des moyennes de saison. Attention mardi, retour des gelées matinales sur une grande partie du pays avant une nouvelle hausse pour la journée de mercredi. Et lundi, les averses resteront nombreuses sur le pays, notamment dans l'Est. Baisse des températures par le Nord-Ouest. Je vous le disais mardi, attention, retour des gelées matinales, des conditions anticycloniques qui regonflent par le sud de la France et une perturbation peu active sur la moitié nord de la France. Si vous avez des questions, écrivez-nous en scannant ce QR code. On vous répond tout de suite le journal.